C'est un homme qui a qui doit accompagner la femme mariée en société. La femme mariée avec un autre homme, mais l'accompagner en société. Rien de plus. Et c'est quelque chose qui est lié à la civilisation de lumière. Il faut que les femmes sortent de chez elles pour participer à la vie mondaine, à la vie sociale, et elles ne peuvent pas sortir de chez elles toutes seules. Donc il faut quelqu'un qui les accompagne. C'est ça, un principe. Puis il y a beaucoup d'autres choses. Ça existe un peu ailleurs aussi, en Espagne, par exemple en Autriche, pas en France, mais en France parce qu'il y a la culture de la liberté, du libertinage. Et donc le chevalier servant peut paraître un contrôleur un peu embêtant. Mais en Italie, ça devient un peu un système qui a des implications sociales très intéressantes. C'est assez commun dans la noblesse, où les mariages sont des mariages de raison, d'intérêt, et donc il n'y a pas un lien si étroit entre le mari et la femme. Et surtout, le mari est souvent engagé avec l'administration du patrimoine, avec la politique de la ville, etc. Et donc, c'est utile d'avoir un jeune homme qui n'est pas marié normalement, qui a beaucoup de temps, qui n'a pas de charges politiques ou économiques, et qui entre en société lui aussi en faisant un peu de compagnie et de service à cette dame, qui est d'ailleurs peut-être une cousine, une deuxième cousine, la femme d'un ami, etc. Un principe, ce n'est pas adultère, c'est un lien social. C'est un peu spécifique du XVIIIe siècle, parce que avant le XVIIIe siècle, il y avait la culture de la contre-réforme, et donc les femmes étaient un peu renfermées chez elles, pas de civilisation mondaine, de galanterie. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française et le romantisme, le rousseauvisme, ont fait penser que le mariage devait être quelque chose de très très importante, très étroit, et le mari et la femme, qui étaient désormais mariés par amour, qui s'est marié par amour, devaient vivre ensemble, sans un tiers dans leur couple.